الحمد لله رب العالمين نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء الأباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله عز وجل قائل ولله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكورا أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يحب لمن يشاء الذكورة ويحب لمن يشاء إناثا ويحب لمن يشاء الذكورة أو يدوجهن ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير دان سيدرسي قرانك الحمد لله لتريه دي ولله ملك السماوات والأرض إذا قرتي الله لا رويتي دي سيو إذا لا تير يخلق ما يشاء إكري سيكي بيه ويجعل ما يشاء ويجعل لمن يشاء إناثا إيه إلا دون إلي فيه دون دي في أكي إلي فيه كم إلي فيه دون دي غارسون أكي إلي فيه أو بيان إلي دون على فوا غارسون إلي فيه أكي أوسي إلي فيه إلي ران لي زوتر أوسي ستيريل إيه إلي فيه سيكي إلي فيه كار الله إيه أومنيبوتان إيه أومنيسيان إيسي ونوا ديجا trois groupes. L'un a seulement quatre groupes. Un n'a seulement que des filles. L'autre n'a d'autres que des garçons. L'autre, il a les deux ensemble. Si l'autre se plaint de n'avoir que les filles, l'autre se plaint aussi de n'avoir que des garçons. Et il donne les deux à qui il veut. Et l'autre, il est stérile. Il n'a pas ni garçon ni fille. Chers frères et sœurs, alhamdulillah, d'être parent est un privilège. Dieu accorde à qui il veut. Mais c'est une responsabilité énorme. Une responsabilité qui incombe à tous les parents de venir en aide à leurs enfants, de leur accorder une éducation adéquate. Et ça, c'est important car Dieu a rendu les parents responsables de la foi et de la croyance et de la religion de leurs enfants. Il le dit très bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith, il dit « Ma min mauloudin illa yulad ala al-fitra fa abouahu yuhawidani ou yunassirani ou yumajisani » Il dit que tout enfant vient au monde avec la prédisposition d'embrasser l'islam. C'est-à-dire qu'il est musulman quand il vient au monde. C'est seulement ses parents qui fait de lui d'autres, adeptes d'autres religions que l'islam. Et ça, c'est une lourde responsabilité qui est très grave quand on te dit que tu es responsable de l'égarement ou de la guidance de ton enfant. On sait très bien ce que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à Ali, que Dieu guide une seule personne à cause de toi et meilleur pour toi que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Le contraire aussi, c'est la même chose. Qu'une personne soit égarée à cause de toi, c'est un péché énorme. Surtout si cette personne est ton enfant.
C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith il dit kafa bil mar'i ithma an yudayya man yaqut ou man ya'ul. Il dit que ça suffit comme péché, comme grand péché. Seulement si la personne n'a commis que ce péché dans ce bas monde, il est suffisant. De quoi? D'abandonner celui qui sont sous sa charge, à sa charge. D'abandonner celui qui est sous sa charge. C'est, il suffit comme péché. Et évidemment, ce hadith, comme le dit beaucoup de savants religieux, il est la base dans toute la socialisation, dans toutes les relations humaines. Il est la base. Si chacun de nous s'acquittait convenablement de ses devoirs, surtout vis-à-vis de ses enfants, le monde sera meilleur. C'est parce qu'il y a défaillance, il y a l'échec dans ce niveau qu'on voit beaucoup de problèmes. Car beaucoup de parents, ils sont absents, ils sont négligents. Comme le dit un poète, Laysal yatim manintaha abwahu min hamil hayat fa khallafahu dhalila. Innal yatima man talqa lahu aban mashghula umman takhallat aw aban mashghulan. Il dit que c'est pas un orphelin. On ne peut pas considérer une personne orpheline. Celui dont les pères ont quitté ce bas monde, lui n'est pas orphelin authentique. L'orphelin authentique, celui dont tu trouves, il est avec ses parents, mais ils sont démissionnaires. C'est que le père est absent et la mère est négligente. Car le premier qui a perdu ses parents, les gens savent qu'il n'y avait pas de parents à la maison, ils vont prendre soin de lui. Mais l'autre, il va être lésé deux fois. Non seulement les parents ne s'occupent pas de lui, mais la société aussi croit que vraiment il y a une personne à la maison qui s'occupe de lui. Donc vraiment, c'est important la présence des parents auprès de leurs enfants, de les prendre en soin, de prendre soin de les éduquer comme il faut. Et leur éducation, malheureusement, beaucoup de gens, comme on vient de dire, que c'est trouver un père qui est absent. Beaucoup de gens sont absents à cause du travail. C'est du travail, dormir et travailler. Donc, ils n'ont pas assez de temps pour leurs enfants. C'est important que ceux-là qui ont ce problème doivent vraiment rattraper le temps manqué durant le week-end. Il est important d'être auprès de tes enfants. C'est important. Et ce n'est pas seulement en les donnant ou en les procurant des matériels ou des besoins physiques que la nourriture, le logement, les jouets, non, ça ne demande pas ça. Non, ça demande plus que ça. Car ce qui est plus important, c'est l'éducation spirituelle. Et ça, un autre poète l'a dit, Laysal yatim man mata walidu, man mata waliduhu, walakin innal yatim man innal yatim man yatim al-ilm wal adab. Il dit Laysal yatim man mata waliduhu, innal yatim yatim al-ilm wal adab. Il dit que l'orphelin, c'est pas celui dont le père est décédé, a quitté ce bas monde, mais le vrai orphelin, celui qui n'a ni savoir ni éthique. Ni savoir ni éthique. Car le besoin de l'être humain au savoir et aussi à la spiritualité est plus important que son besoin à la nourriture. Comme le dit Ahmad ibn Hanbal, il dit Hajatul insan an-nas ila ta'am ahwaj minhum ila an-naj an-nas ila al-ilm wal-adab ahwaj minhum ila ta'am wa sharab. L'an al-insan yahtaj ila ta'am مرة أو مرتين في اليوم ولكنه حاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. Il dit que le besoin de l'être humain vers le savoir, la science est plus important que son besoin vers la nourriture et le boisson. Car on a besoin de la nourriture et du boisson pendant le jour qu'une seule fois ou deux fois. Quant à la science, autant qu'on respire. Donc c'est important qu'on prend soin de ce côté-là et qu'on ne l'oublie pas. Beaucoup de gens ont oublié ça. Ils prennent soin seulement de leurs enfants, physiquement, de leur accordant des cadeaux, des nourritures, aussi des habits, tas de choses. Mais quant à la spiritualité, ils sont complètement absents dans ça. Et ça, c'est très grave. Beaucoup de gens se demandent comment éduquer mon enfant. Dans l'islam, tout est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans l'islam. On le voit très bien avec ce hadith, fameux hadith qu'on appelle hadith Jibril. Quand il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Hada Jibril, ataku yu'allimuku dinaku » Il dit « Voici Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. » Et comment il l'a fait? Et quand tu regardes cette démarche, et tu regardes aussi les démarches du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
tu trouveras qu'on doit mettre l'accent d'abord sur un élément essentiel que beaucoup de gens vraiment l'ignorent, c'est la foi. C'est la foi. Jundub ibn Abdullah, il dit que nous étions des jeunes auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprenait d'abord la foi avant de nous apprendre le Coran. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens, quand tu lui dis apprendre à tes enfants la religion, c'est dire aller prier ou mémoriser le Coran, et qui est très très important, mais il oublie l'aspect essentiel qui est quoi? C'est la foi. On commence d'abord par la foi. Et ça, Dieu nous a donné un bon exemple dans le Coran, dans la sourate Luqman. Et Luqman, alhamdulillah, c'est un exemple frappant pour les parents. Car Dieu est très haut, dit qu'il a, lui a donné la sagesse. Et la sagesse n'est autre que d'être reconnaissant envers Allah et aussi envers tes parents. وإذا قال لقمان لابنه ويعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Voici les premiers mots que Luqman a prodigué à son enfant. Mon enfant, ne donne pas d'associé à Allah, car donner l'associé à Allah est une injustice énorme. D'abord, il a travaillé d'abord sur la foi, et ça c'est très important. Avant même de parler, de lui dire ya bunayya aqimus salat wa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak in dhalika min azmi al umur, avant même de parler de ça, il a parlé d'abord de shirk, de tawhid, et ça c'est très important. Car quand on développe et qu'on prend soin de la foi de la personne, l'enfant saura vraiment de se tenir, de s'en prendre même seul en main, que ça soit devant toi ou à ton absence. Car quand la foi est là, la personne saura vraiment adorer Allah en public comme en privé. Comme en privé. Et la foi aussi, qu'est-ce que ça nous aide? Ça aide l'enfant à avoir l'amour de son Seigneur, à connaître son Seigneur. Quand l'enfant a l'amour de son Seigneur, c'est l'essence de notre relation avec Allah. Donc demande à l'enfant seulement de prier, de jeûner, il ne connaît pas pour qui il prie et pourquoi il prie, sans développer vraiment sa foi, sans prendre soin de sa foi. C'est vraiment c'est ce qui amène le problème plus tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, imaginez-vous quand il était avec ce jeune Abdullah ibn Abbas, en groupe avec lui, ya ulam ihfadillah yahfaduk ihfadillah tajidhu tija in idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa alam anna al-ummata law ijtama ala an yanfa'uka bi shay' lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. Imaginez-vous, voici vraiment comment éduquer un enfant, prendre soin de sa foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a fait avec Abdullah, il dit oh jeune, je vais te donner des préceptes. Garde Allah, Allah te gardera. Garde Allah, tu trouveras devant toi. Si tu as besoin de quelque chose, demande à Allah. Si toute l'humanité toute entière veut t'aider, il ne peut t'aider que par quelque chose, Allah aura déjà écrit pour toi. S'il veut te causer tort aussi, il ne peut le faire que par à mesure des choses que Allah déjà a écrit à ton encontre. Donc personne ne peut être profit, t'être utile, ni t'être causer dommage si ce n'est pas Allah qui veut. Et ça, c'est très important. Et ça, d'abord, ça commence par ça. Et ça, quand tu regardes sur le Luqman, on voit très bien qu'il a mis l'accent sur ça, d'abord, al-tawhid, al-imal. Et les personnes, souvent, ils oublient ça, de parler ça avec leurs enfants, de développer ce sujet-là avec leurs enfants. Car c'est important, quand la foi est là, comme il le dit, Allah, qu'il y a dans le corps de l'être humain un morceau de chair. S'il est vraiment bien, c'est tout le corps qui est bien. Mais s'il est corrompu, tout le corps le sera. C'est quoi? C'est le cœur. Et le cœur ici, vraiment, c'est la foi. C'est pour cela que c'est très important de prendre soin de la foi. Et vient alors, après la foi, les actes cultuels, et le but c'est la prière, et ça on le suit aussi avec le hadith Jibril qui dit antashhad Allah ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqim as-salat, que tu accomplis les cinq prières. Et dans surat Luqman c'est la même chose aussi, on a parlé d'abord de quoi, de la foi avant de parler de la prière. Et la prière est très importante, c'est la foi même. Car dans le Coran, Dieu le qualifie par la foi. La personne qui accomplit la prière quotidiennement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tous les actes cultuels, il n'a ordonné aux parents d'apprendre à leurs enfants ou d'ordonner leurs enfants à le faire si ce n'est la prière. C'est la prière seule.
مروا أولادكم بالصلاة بالصلاة لسبع. Il dit ordonnez à vos enfants de faire la prière à l'âge de quoi? À l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans. Et c'est important. Ce n'est pas quelque chose d'immense, facile. إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Il est très dit que c'est une obligation très lourde, sauf des gens qui sont humbles. Ici, il parle de humble d'abord, le cœur. Si le cœur n'est pas travaillé, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit que c'est une obligation lourde, sauf pour les humbles. Et cette humilité, c'est la foi. Dès que la foi entre, pénètre le cœur, tout devient facile. Et la personne même, quand il va au lit, il ne prie pas, il va faire des cauchemars. Non, il ne peut pas vraiment aller au lit sans prier parce qu'il y a la foi. Mais quand la foi n'est pas là, même s'il prie, c'est vraiment dépourvu de tout. Donc c'est très important de mettre l'accent sur ça. Et deuxième, c'est important, comme nous venons de dire, c'est as-salat. Et as-salat, c'est quelque chose de très difficile. Nous avons l'expérience ici que apprendre la prière à un enfant n'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de parents qui se plaignent de ça. Et c'est très important que ce que Allah te demande vraiment, c'est de poser des gestes. Le résultat incombe à Allah. Non, ça ne t'incombe pas le résultat. Tu ne fais que seulement poser des gestes. On a vu, car le Coran, on en trouve tous les exemples. On a vu avec Nuh, alayhi salam, avec son enfant. Il a tout fait, mais non, il n'a pas pu vraiment guider son enfant. Il n'a pas pu guider son enfant. Mais tu prends, tu poses les gestes. Tu entreprends les causes. Et le reste appartient à Allah. Et souvent, la personne qui ne démissionne pas et qui il est assidu dans l'éducation de leurs enfants, la finalité vraiment, comme Dieu, la finalité appartient au pieux. Il y a des enfants, quand tu leur dis prie, ils commencent à le faire. Et au milieu, ils baissent les bras. Peut-être même ils se rébellent. Non, ne baisse pas les bras. Essaye de continuer de l'ordonner. Et ça, on a vu avec beaucoup de gens. J'ai ordonné à mes enfants de faire la prière. Mais il ne le fait pas maintenant, non, continue. Et un jour, tu le vois, tu t'es debout, prier, ton enfant derrière toi en train de prier parce que quoi, il a trouvé. Pourquoi on dit cela? Car la meilleure façon d'éduquer un enfant, c'est d'être un bon exemple pour ton enfant. Ça, c'est important. Tout ce que tu ne veux pas que ton enfant fait, ne le fais pas devant lui. Tout ce que tu veux que l'enfant fait, essaie de le dire et le faire aussi devant lui. La personne doit être assidue dans la prière. L'enfant doit savoir que vraiment la prière est très importante pour toi. Et que la mosquée est très importante pour toi. Et que ton Seigneur Dieu est très important pour toi. Ne dis pas à un enfant que ceci est halal. Et ça, l'enfant se dit, dès que tu amènes une nourriture, il dit non, ça, il y a le cochon, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc, si le père dit non, ce n'est pas important, tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Donc c'est très important ce que tu dis à ton enfant et que tu appliques ça. Et apprendre des enfants, éduquer un enfant, ce n'est pas facile. Troisièmement, vient l'éthique. Vient l'éthique. Car Dieu le Très-Haut nous demande vraiment de protéger nos enfants. Et l'éthique, c'est l'islam. L'islam, c'est l'éthique. C'est copie conforme. Il n'y a pas de différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Dieu nous m'a envoyé que pour parfaire la noblesse de comportement, de la moralité. Donc, celui qui a la religion, il a tout. Celui qui a la religion, il a tout. Et on voit même dans Luqman, Dieu le Très-Haut, quand tu demandes à la personne d'invoquer Allah et d'adorer Allah, mais aussi wasain al-insan bi walidayhi hamalathu ummuhu wahana ala wahan wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa li walidayk ilayya al-masir. Et ça, quand tu prends soin de l'islam, Dieu prendra soin de toi aussi. Aqul qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfirun ghafur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très cher frère et sœur, Dieu le Très-Haut dit, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Il dit, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Et ça, c'est important. Un parent, il a l'obligation de se préserver du feu de l'enfer et préserver aussi sa famille. Et ici, ce qu'on voit ici, c'est très important, qu'il y a certains aspects dans l'éducation de l'enfant est très important. Peut être minime, quelque chose de vraiment banal chez nous, mais ici est très important. L'un de ces aspects, le nom. Le nom que tu donnes à ton enfant. Le nom, quand le nom, c'est pas seulement, il identifie l'enfant en tant que personne, il doit l'identifier aussi en tant que musulman. Et ça, on le voit avec beaucoup dans beaucoup de lieux, comme Australie, les gens où l'immigration est ancienne. Et que la deuxième génération ou la troisième génération s'est éloignée de la foi, de l'islam, les gens qui sont venus après
quand tu le vois, par leur nom, il commence à lui dire, mais tu es musulman? Il n'a pas d'autre choix. Pourquoi? Comment il l'a connu? Il l'a connu par son nom. Par son nom. Donc, dans le pays d'exil, tous les gestes qu'on pose, il faut vraiment mesurer et penser-y. Très important. Que le nom que tu donnes à ton enfant, ce n'est pas seulement l'identifier en tant que personne, va l'identifier un jour aussi en tant que musulman. Et quand on dira Mohammed à une personne, quel que soit son comportement, les gens sauront, ah, celui-ci était musulman, celui est un musulman. Soit il dit, il est ou il dit, mon père l'était. Mais vraiment, ça aide les gens à prendre contact avec lui et à l'identifier. Deuxième élément qui est très important ici, et ça, il faut le mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Il dit, prenez de vos généalogies. C'est avec quoi vous pouvez lier vos liens de parenté. Unir, lier les liens de parenté est très important. Quand on est en exil, on est très loin du pays. Le problème qu'on a souvent, si tu n'aides pas l'enfant de connaître sa famille, d'établir le contact entre tes enfants et tes parents, c'est très difficile. Car établir le lien de parenté fait partie vraiment de la foi. Et c'est un élément essentiel. Même la corruption, même dans le Coran, quand il parle de la corruption, la base de la corruption commence, ou le signe de la corruption, c'est quoi? C'est quand il y a la rupture du lien de parenté. Pour établir le lien de parenté, il faut vouloir que la personne connaisse ses liens, qu'il connaisse ses parents. Et le problème qu'on peut avoir, la mort peut venir n'importe quel moment, on ne le sait pas. Ça peut venir n'importe quel moment, que la personne vit ici, isolée, loin de ses parents, et que les enfants aussi n'ont rien, n'ont pas de contact au pays, qu'ils ne savent pas. Et Omar ibn al-Khattab avait l'habitude de dire à Abdurrahman, mon enfant, apprends de ton origine, qui t'aiderait à établir le lien de ta parenté. Ça, c'est très important. Et lien de parenté, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui veut vraiment que Allah yani yabsut lahu fi rizqihi wa yunshi'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Si tu veux la bénédiction pour ton enfant, tu veux vraiment que Allah allège vraiment le fardeau, qu'il éloigne de toi la mort, même si tout est écrit, et qu'il élargit ta subsistance, établis le lien de parenté. Établis le lien de parenté. Donc c'est très important, alhamdulillah, dans le pays que nous vivons, notre souci majeur doit être quoi? Nos enfants qui viendront après nous. Et ça, il faut prendre toutes les précautions. Les gens disent souvent que je ne sais pas ce qui arrivera après ma mort, non? Chacun de nous sait ce qui peut arriver après sa mort, parce que tu le vois déjà depuis ta vivant. Quand tu es vivant, tu le sais déjà. Donc les gestes que tu as posés, tu le sais déjà. Quand tu fais des efforts et que les enfants n'arrivent pas à suivre ces efforts, non, ne t'afflige pas, ne t'afflige pas. Souvent après la mort, les enfants reviennent, ils reviennent là-dessus. Dieu perd toujours les démarches quand c'est basé sur la sincérité. Très chers frères et sœurs, c'est très important. Il y a les écoles coraniques dans les mosquées. Essayez d'amener vos enfants à apprendre le Coran. C'est mêler la société musulmane avec eux, vraiment, ils peuvent apprendre les comportements musulmans, d'être fier d'être musulman avant que la mort vous frappe, car on ne sait pas, c'est quand ça vient, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Kun fi dunyaka annaka gharibun aw abir sabil », soit dans ce bas monde comme quelqu'un de passage. Et Omar, Abdullah ibn Omar, il lui dit « Si tu es au matin, n'attends pas le soir, si tu es au soir, n'attends pas aussi le matin, car ça peut arriver n'importe quel moment ». Et l'un des éléments essentiels aussi que j'aimerais vous rappeler, c'est important, que l'héritage ici, c'est partagé selon le gouvernement. Même la garde des enfants, le gouvernement peut s'en charger si les parents n'ont pas pris leurs précautions. Donc on vit dans un monde où tout doit être clair avant ta mort. Ce n'est pas comme chez nous, qu'on laisse les choses aller, après ta mort, les parents se réunissent et font les choses comme ils font. Non. Ici, ce qui est déjà écrit, ce qu'on va suivre, si ce n'est pas écrit, c'est le gouvernement qui va en prendre en charge. Et le gouvernement ne prend pas en charge les règles islamiques, non. Il prend en charge selon la constitution d'ici et les règles d'ici. Donc, il y a des notaires musulmans qui sont avec nous. C'est important pour le croyant qui a des maisons, qui a des enfants, de vraiment de les contacter afin de rédiger les choses comme il faut, de savoir si la mort m'a frappé, je sais vraiment comment les démarches vont se faire. Ils vont se faire selon les règles islamique. Et ça, c'est très important. Il faut lire les règles d'héritage ici, ou aussi la garde des enfants sont très compliquées. Si les parents n'ont pas pris leurs précautions, les choses peuvent être très, très mauvaises. Très, très mauvaises pour eux. Ça peut être vraiment qu'on donne la garde à un enfant, à une personne qui n'est pas musulman et qui est très loin des musulmans.
Et l'enfant, comme on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'enfant né musulman, ce qui le prend en charge, ce n'est pas seulement les parents, ce qui l'éduque et le prend en charge peut vraiment altérer sa foi. Donc c'est très important de prendre soin de ça et de réfléchir et surtout de ne pas s'éloigner de la communauté. Souvent les gens ont tendance à s'éloigner de la communauté. Quand tu demandes un tel adepte de tel pays, tout le monde est bon sauf les gens de son pays. Non, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est très important. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'ils tirent ensemble et amène ton enfant dans la communauté et le faire connaître ses origines. Le faire connaître ses origines. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya mawlana tawwab rahim. Allahumma idina fi ma hadith wa afina fi ma afait wa tawallana fi man tawalli wa barik lana fi ma atait wasrif anna su'a ma qadit innaka taqdi wa la yaqdi 'alayka. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aslih awladana wa azwajana waj'alhum qurrata 'aynin lana waj'alna lil muttaqina imama wa qum ila salati rahmatan. Que nos frères vont passer, Inch'Allah, sur les deux côtés.